Noël Drouin, Lise Morin, Linda Lamontagne. Ensemble, là, on est une belle grande famille, je vous le dis souvent. Puis là, ben, on a plein de nouveaux amis qui atterrissent à chaque semaine, qui se disent, mais coudonc, ça brasse dans ce groupe-là. Pas juste Anne qui brasse, là. Hey, y a des échos jusqu'ici, là. Aujourd'hui, on s'en va au pays des arcs-en-ciel. Fait que là, vous êtes prêts? J'ai tout autre chose que j'ai oublié de dire. Ah ouais, je l'ai dit pour ceux qui sont arrivés en dernier, là. À 1h30 après-midi, sur le duo Francine et Raymond, vous allez pouvoir voir Francine qui va danser, qui va chanter des tunes rétro, donc un live rétro à 1h30. Si vous avez le goût de vous mettre dans le bain du rétro, c'est tellement bon, ces tunes-là. Fait qu'à 1h30, Francina n'est pas capable d'arrêter, elle chante encore dans sa maison en guitare. Fait que si vous voulez la voir, duo Francine et Raymond à 1h30. La danse aussi, vendredi à 9h30. Le défi de la semaine. Ah ouais, il y a vos fourneaux, tout le monde. Faites-moi des belles recettes, des petites photos. Vous me l'envoyez, puis vous participez au tirage. Le tirage de la petite planche. Oups! De la planche Bon Appétit. Hein? Le tirage est vendredi, juste avant la danse. Beaucoup de coupons dans le baril, parce qu'on a fait 5 défis depuis le début. Donc, on est parti pour la routine arc-en-ciel. J'ai un micro, j'espère que vous allez voir la différence. Je vous mets la vidéo. Bon matin, ma belle Denise, quel plaisir que vous soyez là. Ben oui, nous autres aussi, on a du fun. Bon matin, Micheline Roy, Louisette Bélanger. Bon matin aussi à Julie Blais, Thérèse Piché, Denise Fillon. Là, j'ai ma petite ligne, je devrais peut-être l'enlever avec mes écouteurs tout de suite. Déshabillez-vous pas toutes, là. Juste moi, c'est à cause que là, j'ai trop d'affaires. Le micro, les lunettes, toute la patente. Et pourquoi j'ai un micro? Pour essayer d'avoir un son dans le fond, même si je mets un peu la musique plus fort. C'est un test. Une autre expérience d'ensemble dans l'isolement. On fait des tests. Faut que je m'habille pour pas que vous soyez trop... Prends une petite gorgée pour on est parti, tout le monde. Vous vous préparez. Qu'est-ce que tu fais, Louise? Tu m'écris un message. Ah, Louise, elle m'envoie des recettes pendant que je jase, je suis toute mêlée, je pensais qu'elle était mal prise. Bon matin, Evelyne Boucher-Morin, excusez. Attends un peu, il y en a une qui me dit qu'elle n'a pas la vidéo. C'est qui ça? Josette, ça se peut pas, je t'ai vue. Essaye d'aller la chercher pareil, là, Josette, elle ne trouve pas. Josette, et voilà. Tiens, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai vu Josette passer, mais elle me dit qu'elle ne voit pas. Fait que... On est 70 amis qui se préparent à prendre l'autobus de l'arc-en-ciel. Vous êtes prêtes? Une petite bouteille d'eau? Une petite chaise? On est parti. 1, 2, 3. Dites-moi. On va fermer ce son-là. Ça va faire trop de son. Je vous laisse le paysage. Routine l'arc-en-ciel. C'est bon, le son? Bonjour. Eh oui, ça fait plusieurs fois que je le dis. Vous avez mon t-shirt? Le mouvement, c'est les tous les jours de la semaine ou presque, et ce, tout au long de l'année, il faut être physiquement actif. Êtes-vous tous convaincus des bienfaits d'être actif? Ta-da. Oui? Alors, faites-moi un signe de tête. Un signe de tête. J'ai l'impression qu'il y en a qui semblent un peu moins convaincus. Ceux qui le sont moins, faites-moi un signe de la main. On n'est pas sûr ou oups, oui? Quelques personnes sont incertaines. Peut-être que oui, peut-être que non. Non. Alors on fait un mouvement avec les épaules en disant « je ne sais pas ». Je ne sais pas, moi, si vous bougez tout le monde. Oh non, pas encore des indécis. Oh. C'est partout pareil. Il doit sûrement y en avoir dans cette salle. Que font les indécis? Ils se lèvent, ils changent d'idée et se rassoient. Finalement, parce que là, on n'a pas de bouger. Oh! On va faire un petit brosser de la bête. Ah non, finalement, il faut gérer. Allez, on marche. Bon, t'as fait ça, là? On marche. Vous avez besoin d'un appui? On marche. On respire.
monde bouge, hein? Même les gens assis, on lève les genoux. Personne qui me regarde, qui tricote, qui mange du gâteau ou qui chante dans sa tête. Let's go! On marche. Si on est assis, on lève les genoux. Un arc-en-ciel est composé de 7 couleurs, soit le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Un arc-en-ciel me fait penser à quelque chose de beau qu'on a toujours le goût de regarder. On est toujours émerveillé devant un arc-en-ciel et on se trouve privilégié de le voir. C'est vrai. C'est un peu comme la santé. C'est un beau privilège. Check. Mais il n'y a rien d'acquis. Il faut mettre toutes les chances de son côté en adoptant de saines habitudes de vie comme manger mieux, bien dormir, être actif et mieux vivre avec le stress. Ensemble, bougeons avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Commençons par le rouge. On inspire par le nez en élevant les bras, puis on expire par la bouche en ramenant les bras le long du corps. Il ne faut pas voir rouge. J'ai besoin d'aide. J'ai un grand terrain. Allez, aidez-moi. Racle avec moi mon terrain. Ah. On rentre. Gauche. À droite. Ouh. Moi, je rentre bien. On rentre là. On peut passer le râteau aussi. C'est un vieux râteau. C'est le sucre qui force le muscle et avance. On rentre. À droite. Sanguine. On s'appuie sur le dossier de la chaise, on s'élève sur le bout des pieds, puis on redescend. Bout des pieds. Ceux qui ont la chaise, ceux qui ont la chaise, regardent.
commence aussi par un O. Comme dans « Pourquoi pas prendre de l'eau pour laver ses vitres à la maison? » Allez, on lave nos vitres. On lave avec la main gauche et la main droite. Bougez les deux bras, on lave les vitres. Et allez de gauche en haut, de haut en bas. De gauche à droite. Attention. Les murs. Un coup de pinceau, main droite, main gauche. Un coup de pinceau, peinture avec le poignet. C'est important que le poignet bouge là. Peinture les couleurs de notre vie. On met du jaune partout. Les deux mains, peinture. La couleur jaune commence par un J, comme dans le mot jeunesse. Adopter un mode de vie physiquement actif, ça garde jeune. Par exemple, patiner, danser, ou encore utiliser le plus souvent possible les escaliers. C'est déjà un bon pas dans la bonne direction. L'ascenseur, ce n'est pas actif. Mais ici, ce n'est pas le cas. Levez-vous tous debout. Et que fait l'ascenseur? Il monte, alors on monte sur la pointe des pieds, et on descend, avec une flexion des genoux. On sort les fesses de dos droit, on inspire sur la pointe des pieds, on expire, on sort les fesses de dos droit, on inspire, on sort les fesses, le plus bas qu'on est capable sans descendre trop bas, on descend les genoux, les filles, 1, 2, 3, pointe des pieds. Si je suis ici, pointe des pieds, là je vais m'élever un peu, hop, je vais redescendre, pointe des pieds,
c'est les niaiseries. Tout le monde s'en sort. Oui, mon camarade. On marche. On peut marcher plus smooth aussi avec les fesses. Tout genre de danse. Force de danser, je m'en reviens que j'ai du rythme. On marche. On fait le tour de notre chaise. Oh! Perdu? Ah ah ah! Tu l'as perdu? Tu fais le tour de la chaise, là. Ben, évolue. On respire, mais. Je fais des niaiseries, mais. On peut ralentir, on peut arrêter. Prendre une gorgée d'eau, parce qu'on n'est pas payé pour foncer. Non, pourquoi? Nous sommes rendus à la couleur verte, la couleur des vitamines. Ça favorise une meilleure santé et nous donne de l'énergie. Hey, hey, pas trop vite. Pour bien gérer mon enthousiasme, je m'étire, j'inspire. Et oui, une bonne oxygénation, c'est important. Alors, on inspire, puis on expire. On inspire. On fait trois fois, puis ensuite avec les bras. On inspire. C'est très en haut. On étire les jambes, on expire, on étire les jambes, on inspire, on étire. Un autre mot qui commence par la lettre V, c'est le vélo. Alors, nous partons en randonnée. Assis, à vos marques, prêts, partez. À vos marques, on fait un mouvement de pédale. Pédale, sinon on dépose entre chacun. On peut déposer entre chacun son pédale. Sinon, on est prêt. En 3, 2, 1, let's go! Yeah! Là, on est tout assis en arrière de l'autre. Merci.
On dit souvent que bleu, bleu, l'amour est bleu. Être en amour, ça donne des ailes. Quelle sensation agréable. On élève les deux bras de côté, puis on plane à droite et à gauche. On respire, on prend notre souffle. Inspire. Si on est debout, on expire, ferme les yeux si on est capable de ne pas tomber. De bleu rimoussé avec boxe. Ah, il faut revenir à la réalité. Coup de poing du droit, coup de poing du gauche. Assis. À visualiser. Pour bien gérer tout ça, je vais bouger. Mon corps va sécréter alors des endorphines, soit des hormones relaxantes et euphorisantes. Alors, pourquoi pas quelques petits pas de danse? Allez, on danse tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on veut danser? On veut danser le twist. Oh, on fait ça. Commence aussi par un. Il ne fait pas beau aujourd'hui.
Alors, pour être actif, il faut user de son imagination. Bon. On fait le mouvement de la vague avec les bras. D'accord, c'est ça. Ouh, OK, on est prêts. Attention. Vous êtes prêts, on fait la vague. Ouh, oh. On change, on fait la vague encore. 1, 2, 3. Ouh, ouh, ouh. Attention. Ouh, ouh. On lève les bras. Attention, on descend. On y va pour la vague. Ouh. Encore la vague. Ouh, ouh. Assis. 1, 2, 3. Ouh. On fait la vague. Ouh, ouh. Attention. 1, 2, 3. On fait la vague. Ouh. On envoie les yeux. On envoie tout le monde. 1, 2, 3. Ouh, ouh. L'avez-vous vu? 1, 2, 3. On lève. On respire. On expire. On poursuit notre ascension de l'arc-en-ciel de la santé et de la bonne forme. On marche. On marche. Un bien-être profond nous envahit. Profitons de cette belle énergie. Emmagasinons-la. Alors, on ferme les yeux, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Puis on répète l'exercice en visualisant un petit moment de bonheur. Que ce soit en s'imaginant faire une activité que vous aimez ou un moment en bonne compagnie, comme par exemple avec vos petits-enfants. Avec nous. Ah, avec vos petits-enfants aussi. On inspire, on ferme nos yeux, on visualise quelque chose de beau qu'on aime. On inspire. De la vie et de partager le plaisir de bouger en groupe ensemble. Une dernière fois, on marche pour la bonne forme et la santé. On marche parce qu'on est constant. 1, 2. Petit bonhomme est capable de marcher plus bas. Travaille les cuisses. Si on n'est pas capable de marcher, on fait juste du surplace. Toujours vous laisse. Ouvert.
À vous tous, bravo. N'oubliez surtout pas que la santé, c'est comme un arc-en-ciel. C'est un privilège. Ce que je vous ai eu, ce que vous avez vu, les deux en même temps. Prendre une petite gorgée de gin ensemble. Un, deux, trois. Chin chin, gang. Au pays des paysages. Ouais. C'était beau, hein? Salut la gang, c'est fait. Bravo Gisèle. Bravo, bravo. Gisèle a réussi. Elle a fait la routine avec nous. Bravo. Bravo aussi et bonne fin de journée à Marlène Parizeau. Merci pour ce beau moment. À vendredi. Yes, vendredi pour la danse. Le micro, vous avez vu ça, une différence ou rien du tout? Dites-moi si le micro a fait une différence ou c'était pareil comme d'habitude. Parce que sinon, je vais l'enlever d'être dans mes oreilles. Merci et bonne fin de journée à Suzanne Poulain, à Yvonne Drouin. J'espère que vous avez apprécié notre voyage au pays des arcs-en-ciel. Colette Gosselin, à John Berthiaume, à Léonette Quirion de Saint-Honoré, à Ginette Maheu, à Pierrette Quirion, à Michel Demers, à Hélène Doyon. Merci, bonne fin de journée aussi à Anita Quirion, Sylvie Roy, Fleurette Drouin, Linda Dumais, Carole Mercier, Denise Busque, Mireille Vachon, Céline Busque, Marielle Bilodeau. Merci et bonne fin de journée à Paulette Morin, à Gisèle Boulet, à Florence Carrier, merci et bonne fin de journée à Stella Caron, à Ginette Nadeau, à France Lessard, à Huguette Pelletier, à Linda Lamontagne, à Ginette Nadeau, je l'ai dit, à Linda Dumais. Merci, bonne fin de journée à Cécile Thibodeau, à Françoise Poulin, merci Françoise d'être là, Léonette Lachance, Jacqueline Bourgault, Paulette Morin. Merci et bonne fin de journée à Laura Venn, Solange Chabot, Pauline Mercier, Evelyne Boucher-Morin. Dites-moi si le micro a fait une différence ou si vous avez rien vu de différent, parce que c'est important pour moi, sinon je le mettrai plus. Merci et bonne fin de journée à toute la gang qui sont là. J'espère que vous avez apprécié, puis j'espère qu'on va se voir vendredi matin avec la superbe équipe des Vendredis de danse. 9h30, toujours le même rendez-vous. Partagez à vos amis si vous voulez les inviter pour vivre un bon moment avec nous autres. Salut, ma belle Francine qui dit « Ça m'a paru mieux avec le micro, on entendait mieux ta voix. » Super, bon, mais merci Francine, c'est ça que je voulais savoir. Oui, c'est mieux avec le micro, good. Ça fait que, merci à tout le monde, je pense que le micro va nous aider à me sortir un peu de la musique, fait que vous allez continuer à m'entendre pour ceux qui ne m'entendaient pas bien. Et c'est pas si difficile pour moi, donc je vais garder le micro dans mon dos, dans mes oreilles. Merci tout le monde, je vous dis à vendredi. Continuez de cuisiner, de m'envoyer vos photos. On a le tirage vendredi pour la petite planche. Bon appétit. Fait que je vous souhaite une agréable fin de journée. Une chance qu'on soit. Bye la gang. Bye bye.